Maintenant, la réputation de la ville de Saguenay auprès des promoteurs immobiliers n'était pas très reluisante depuis plusieurs années. Délais de traitement dans les demandes de projets, refus sans justification, réglementation complexe, les sources de frustration étaient nombreuses pour les entrepreneurs. Eh bien, voilà que la ville pense avoir réglé le problème avec la création d'une cellule de développement immobilier. Jean, cette structure découle justement des échanges entre la ville et plusieurs promoteurs. Valérie, cet entrepôt en construction en bordure du boulevard Talbot, avec comme promoteur, entre autres, les immeubles Abraham, est un exemple d'un projet qui finit par cheminer, mais à travers le labyrinthe de la fonction publique municipale, la ville qui prend les moyens, donc, pour accélérer la réalisation de tels projets. Les promoteurs immobiliers sourient sur ces images, mais pourtant, leurs échanges avec les fonctionnaires de la ville les ont souvent laissés perplexes. Le pire exemple, c'est de faire une demande, de recevoir une lettre qui dit ton projet refusé pour une série de règles ou de règlements. Tu sais, tu lis, tu dis OK, ils vont l'accepter, tu arrives à la fin, il est refusé, tu comprends même pas le papier ou quasiment. OK, mais pourquoi? On peut-tu travailler ensemble, on peut-tu faire quelque chose? C'est déjà assez compliqué de monter un projet. Disons que nous, les tracasseries, c'est pas notre spécialité. Un groupe d'entrepreneurs a donc fait part de ses observations et recommandations à la ville, qui met sur pied une cellule de développement immobilier, abréviation CDI, un modèle calqué sur la ville de Lévis. C'est vraiment d'aller faire des gains de temps, d'efficacité, d'énergie, d'argent aussi pour les promoteurs. Donc, d'éviter les pertes de temps ou la multiplication des efforts pour pouvoir réaliser un projet. Permettre aussi de bonifier dès le départ le projet ou pour s'assurer qu'il concorde avec la vision de développement de la ville. La nouvelle structure relèvera conjointement de la ville et de Promotion Saguenay. Un guide à l'intention des promoteurs est en préparation. Budget de fonctionnement de l'organisme, 600 000 $ pour les trois prochaines années. Un coordonnateur, un chargé de projet, éventuellement un troisième employé. Le point de contact permettra d'accélérer l'examen des dossiers et la communication. La CDI de Saguenay sera composée d'une équipe multidisciplinaire formée sur mesure pour accompagner les promoteurs. Tant au niveau résidentiel, commercial, industriel qu'institutionnel. Dérogation mineure, amendement de zonage, couleur, marge arrière, avant, les stationnements, les arbres. Donc là, on prend vraiment un guichet unique. Les promoteurs sont convaincus que la cellule prouvera rapidement son efficacité. La Ville n'est pas au courant non plus de la réalité des promoteurs. Fait que cette cellule-là permet une communication en fait directe. Il y a place d'avoir un dossier qui se promène d'un bureau à l'autre sans avoir d'échéance, mais on ose espérer qu'il va y avoir un deadline, puis que tout le monde va être obligé de le traiter, non pas quand ça donne, mais pour arriver au deadline. Au bout d'un mois, deux mois, on va savoir si c'est oui ou non, parce que nous, on a plusieurs projets. Le nouveau guichet sera accessible à compter de septembre prochain. Parce qu'au début, il avait dit novembre, non, il faut commencer, puis c'est prêt. Donc, septembre, nous, on a plein de projets ensemble, qui sont les autres aussi, puis il faut que ça commence. Jean Houle, TVA Nouvelles, Saguenay.